Salut tout le monde, c'est Pixie et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Perfect Night. Alors j'avais dit que je vous retrouverais avec tout l'or. Bon là en fait j'ai pas tout l'or en fait. J'ai ça donc je suis en train de collecter les ressources. Mais en fait c'est que, à part l'or qu'il y a là-bas, j'ai récolté quasiment tout l'or. Enfin, il doit y en avoir encore quelques-uns mais que c'est vraiment très difficile d'accès comme celui-là aussi là-bas. Et je me dis, what, c'est un donjon qui n'est pas tombé. Attendez parce que. Je suis niveau 11, mais attendez, il y a un donjon là. J'ai vu des barreaux. Ah non, c'est juste un petit truc. Ouais, donc voilà, je me disais que ça serait bien que j'explore juste une nouvelle dimension afin d'y trouver, j'espère, de l'or. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer des blocs, des portails parce que j'ai tué masse mob aussi. 6, parfait. Enlever ça. Donc il me faut, pour vous dire, il me faut 5 stacks d'or, sinon 6 et 3 stacks de charbon. Donc ça va être très long. Hop, on va se rendre là et on va du coup explorer une nouvelle dimension. Alors, ok, c'est toujours très très beau ici, hein. Là, je sais plus si j'ai regardé ce que c'était ça en fait. 2B magenta. Ok. Allez, du charbon, ça peut m'aider. J'en ai pas besoin. Hop, merci. Je récupère hein, tant qu'il y a. Alors, bloc de portail. Ok. Ah c'est bon, je crois que c'est une bonne dimension parce que c'est une dimension de feu. Et dans les dimensions de feu, il y a souvent de l'obsidienne et de l'or. Et souvent qu'il y a de l'or. S'il n'y a pas d'or, enfin j'en irai encore en chercher faire une nouvelle dimension parce que là, il me faut vraiment de l'or. En masse, en masse, en masse. Parce que je vais pas me faire qu'une armure aussi. Il faut que je m'améliore à l'hôtel, il faut que je fasse d'autres trucs. Il faut que je fasse aussi l'arme, l'arc, enfin tout ça. Donc c'est assez long. À mon avis, il va y avoir une assez grande ellipse entre les temps aussi, parce que du coup. Attends, j'ai pas eu le temps de lire, c'est quoi? Pantraide frémissante. Ah, yes, il y a de l'or. Ok, il y en a plein. Je vais un tout petit peu explorer avec vous. Oh, regardez. Genre, c'est vraiment trop bizarre, il y a l'arbre qui pousse vraiment au milieu. Ok, il y a vraiment beaucoup d'or. Il y a une petite maison. Ah, il y a un donjon. Donc on fera après. Donc je préfère pour l'instant me concentrer sur l'or. Ok. Ok, à la limite, parce que vu que l'on a commencé. Puis quand on l'aura fini, je ferai la liste. Alors l'entrée, 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 l'entrée. Elle est là. En haut, il y a un coffre, ça on sait. C'est toujours comme ça, les grands donjons, il y a toujours un coffre en haut. Et toi? Il y aura un monstre aussi en haut, je crois. Si je me trompe pas. Ah non, oui, il est buggy, regardez, il est buggy. Il est là en fait. Voilà. T'es mort. Ok, je suis des minerais d'or, j'ai de la laine merveilleuse. Peut-être on peut jeter ça. Me foutre. Ok. Ça donne de l'XP, ça c'est cool. Mais donc on peut redescendre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos armures normalement dans cet épisode. Hein. Oula. Et plus beaucoup de vie.
Ah, il y a un nouveau portail, d'accord. Comme ça. J'ai pas allumé tout de suite, mais bon. Parce que de toute façon, j'ai pas assez de cubes. What? C'est pas de bruit. D'accord, il y a un bruit bizarre. Ok, et donc du coup ce serait quoi la prochaine dimension pour le portail? C'est un boss déjà quand même. Quand même les portails comme ça fait un peu boss mais non. Ok, bon bah, les amis, petite ellipse, attendez, on va voir si j'ai rien raté. Donc plutôt grande ellipse parce que du coup tout l'or qu'il me faut. Si encore une fois je n'ai pas assez d'or, on rechangera encore de dimension évidemment. Non, il n'y a pas d'autre truc. Et puis donc du coup on... Ok les amis, donc je vous retrouve encore un petit peu de temps après, enfin beaucoup de temps. En fait il s'avère que j'ai eu un problème. J'ai vraiment farmé l'or pendant au moins 2 heures, même peut-être 3. Et en fait, j'en avais en tout pour m'en faire environ 30. Donc j'avais 8 stacks quasiment. Vous pouvez voir cette dimension est totalement dépouillée de son or. Et en fait, quand j'ai mis tout ça dans le four, il y a eu un bug. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai cliqué énormément de fois dessus la souris pour tout construire d'un coup. Et ça n'a. Il y en a qui se sont pas créés. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, on va encore explorer une dimension. Voilà. Du coup. J'espère que je vais pouvoir faire mon armure aujourd'hui parce que ça commence à m'énerver. Et le pire c'est que ça se trouve ça sera même pas une dimension à or. Donc je l'espère mais voilà, j'espère trouver ce que de quoi j'ai besoin parce que ça me gonfle un petit peu. Vraiment ça faisait depuis 3 heures que j'étais dessus, j'en pouvais plus, je geekais pour pouvoir trouver tout cet or là, j'allais dans les profondeurs, etc. J'ai réussi à pas changer de dimension, mais là franchement ça m'a vraiment énervé, c'est pour ça qu'après j'ai fait une longue pause, enfin une pause d'une journée environ, et j'ai repris parce que franchement. Je suis mis à rager. Donc là, vite fait, on va faire comme avant, juste avant donc, cette ellipse. On va vérifier un peu la dimension, voir si elle a pas de donjon, tout ça. Ou la forêt du miroir. Ça va être encore un truc avec des colonnes flottantes, ça. Oui. Ah, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'or ici, là. Punaise. Oh là 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 là. Diamant des anges bruts. D'accord. Charbon et bloc de marbre. Mais le problème c'est que voilà, il n'y a pas de. Pas de charbon. Enfin, il n'y a pas de or. Donc juste en fait à l'explorer. Peut-être l'explorer après. Vous voyez? Parce que du coup, là, vu qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a une autre dimension aussi qu'on pourra aller voir pour trouver donc de l'or, c'est celle-là. Donc on va se rendre sur celle-là plutôt. Que de commencer à explorer celle-là. Je pense que c'est mieux. Quand on aura l'armure, faut que je pense. Je vais me le noter. Voilà, je me note tout de suite. Explorer forêt. Miroir. Hop, voilà. Comme ça, j'oublierai pas. Donc le portail, je crois qu'il était dans une grotte, il me semble. Ou je sais plus, à l'air libre, je sais plus du tout. Donc j'ai plein, je vous ai remarqué, j'ai aussi plein de trucs verts parce que j'ai plein d'ennemis. Et alors beaucoup. Alors. Portail, non? Il me semble qu'il est dans une grotte. Il me semble. Arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas celui-là. Là, c'est celui de... On vient d'arriver. Il doit être dans le coin, là, dans le coin. Il y a de la lumière, c'est pas là. Ah, oula, j'avais pas exploré ici en plus. Non, c'est pas là. Ah, là-bas, il y en a. Je pense que c'est là-bas. Oui, c'est là. What? Pourquoi il est déjà. Attendez. Je crois qu'on l'a mis ou qu'on l'a pas exploré, je sais plus. Parce que là. Oh non, si, on l'a exploré parce que. Ah, portail 2 sur 2, ça veut dire que. Ah d'accord, pour aller là, faut qu'on aille là d'abord. Ok, donc je vais aller dans cette dimension, puis je vais explorer ce portail. Ok. On fait que j'ai une dimension là, afin de trouver un portail, ce serait bien. Alors. Je me souviens plus du tout où était le portail. Et déjà, on va vérifier un truc.
Voilà, c'est bon, il est bien dans la dimension. En plus, on est de nuit. Enfin, je sais pas, en fait, s'il y a deux journées ici, mais je crois pas. En tout cas, il y a la lune, donc ça veut dire qu'on est de nuit. La dimension n'était pas dans le donjon là. Je m'en souviens plus. Il y en a une là-bas. Bon, on va aller dans le donjon, visiblement. Ça paraît de vouloir se montrer. Ça fait un bail que je suis plus venue ici. Bon, ça doit faire aussi longtemps, mais. Alors. Bonjour. Allez. Là, je ne peux pas les faire tomber, les ennemis. Parce que là, regardez, ils tombent pas. Alors. Là, il y a quelque chose. Voilà, ça va être un pire. Hein. Je me souviens quasiment plus de la. Non, bon, c'est pas là, on va continuer. Ah, what? Pourquoi il y a un trou là? Ah oui, je crois que j'avais fait exploser une bombe ici. Si mes souvenirs sont corrects. Du coup, pas de portail ici. Ça m'étonne que j'ai laissé. Enfin, j'ai oublié le portail comme ça. Ah bah voilà, il est là. Ok. Ok, portail trouvé. Pour enfin découvrir une nouvelle dimension encore une fois. Bon. Et what? Dégage de là. Purée. Ok, c'est bon, c'est une dimension à or normalement. J'espère, je croise les doigts parce que là, c'est une dimension de feu. Donc logiquement, c'est à or. Il y a le chat qui est. Ok, pause. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment? En fait, je sais, j'ai commencé ma phrase, je l'ai pas terminée, je sais, mais là je vous ai après qu'en fait que j'ai fini l'épisode. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me nous parles là? Parce que en fait, l'enregistrement a buggé à partir de ce moment-là. Du coup, vous ne pourrez pas voir la dimension en fait qui va arriver. C'est une dimension en fait totalement basique. Je crois où il y a juste peut-être un donjon, je crois. Un donjon. Oui, ici, oui, il y a un donjon. C'est une tour. Et au-dessus, il y a un coffre donc on va récupérer qui n'est pas très intéressant. Et en fait, je vais arriver dans cette dimension où il y a plein d'or. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous fais la petite pause. C'est pour vous dire que ça va. En fait, là, ça va reprendre. En fait, la vidéo va reprendre au moment où j'ai fini de tout récupérer, tout l'or, tout ça. Donc vous ne pourrez pas voir la dimension. Peut-être, je reviendrai peut-être dans l'épisode prochain pour vous la montrer. Mais en tout cas, ce n'est pas une grosse perte. Ce n'est pas une dimension exceptionnelle. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et on continue pour l'épisode. Au début, en fait, du vrai épisode. J'ai récolté toutes les ressources qu'il fallait. Même, j'ai pris plus de trucs que j'en avais besoin pour qu'on fasse encore plus de trucs. J'ai tout préparé, j'ai tout mon carnet ici. J'ai tout ce qu'il me faut, normalement, si je me suis pas trompé dans les calculs. Bon, j'espère que je me suis pas trompé, sinon ça sera un petit peu bête. Donc, peut-être que cet épisode sera un petit peu plus long, parce qu'après, j'ai prévu aussi d'aller explorer la forêt miroir. Donc, la dimension qu'on a découverte tout à l'heure, comme ça c'est fait. Donc, on va commencer par améliorer l'hôtel, parce qu'il est juste à côté de nous. Je voulais le faire, et donc on va le faire, c'est parti.
Ok. Donc, diamant des anges infinis, bon, ça fallait s'en douter. What? D'accord. Ok, ça change pas. Ça change pas, ça change pas. Ah, faucheur en or. Bon, je vais pas le faire, mais. Voilà. Oh, c'est classe quand même. N'empêche, petit sceptre. Petit sceptre là. Gant du grand culturiste, tout ça, blabla. Boule de feu 2. Oui, donc voilà. Frappe planétaire, c'est quoi ça? Lorsque une balise qui donnera la cible d'une explosion peu de temps après, infligeant des dégâts astro aux ennemis. Ça veut dire quoi, astro? Oui, des ennemis des astres. Enfin, des dégâts astres, des astres. Cri de guerre. Et ben, oula! Ah, soit un son de surprise, les gars. On a pas, on peut pas faire des prières de saphir de givre là. Oh, si on en a plein, je vais pouvoir améliorer mon soin. Génial. C'est génial. Comme ça, hop, ça fait plusieurs trucs à la fois. Bon, après. Rappel planétaire, j'aurais bien essayé aussi, hein, ces 4, hein, parce que bon. Et puis, du coup, on va améliorer boule de feu, hein, tant qu'on y est. Hop. Voilà, parfait. Donc, on continue. Donc, je vais me faire l'armure maintenant complète. Alors, juste, je vais ranger les choses que je me sers pas. Parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai pas envie de me perdre dans mon inventaire, en fait. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre. Ah, non, attendez. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Et ça, c'est là. Celle-là. Voilà. Maintenant. Je vais créer non, l'arc en premier parce que je vais créer l'arc en premier. J'avais, ah oui, c'est vrai, il me manque ça. Ah non, j'avais tout bien préparé sauf ça. Il est juste là, ici, voilà. Hop, donc l'arc. Wow. Donc beaucoup plus puissant que notre arbalète et beaucoup plus beau aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, parfait. Donc Suna, l'arc long. Donc qui je pense je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu moins il va un petit peu moins durer longtemps, enfin je sais pas, on va voir. Du coup les trucs qu'on a utilisés, on va les mettre dans le coffre des armes. Et maintenant on va passer à l'armure, je vais juste ranger la laine. On va passer à l'armure. Alors attendez, je vais barrer déjà ce que j'ai fait, du coup ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Donc l'armure. Ah, c'est vraiment beaucoup plus classe, hein. Regardez-moi ça, yeah. Trop classe. Donc, je voulais me faire déjà l'anneau magique de glace. C'est l'anneau de homme de Berserk. Gantelet de Berserk. Pourpoint de Berserk. Cuissard de Berserk. L'anneau magique, parce que je l'ai préparé aussi. Et pour finir, la cape. Où j'ai prévu aussi ce qu'il fallait. Je sais pas du tout si elle est plus forte que ma cape à moi. Non. Elle est pas plus forte. Du coup, on va changer tout ça. Alors. Oula! Oui, ça change, d'accord. C'est très bizarre. Hop. Voilà, comme ça. Oh là là. Mon Dieu. Et on va faire l'arme aussi. Du coup, j'ai essayé de faire le cataclysme alors. J'avais dit, je crois que je faisais la massue en arme. En fait, je vais faire le cataclysme parce qu'elle est plus belle. Elle est plus forte. Aïe, je viens de me taper la main. Hop. On la met à la place de ça. Et. Oh mon Dieu. Ah non, mais dites pas par contre que c'est une arme qui se. Ah, ça va. Ah, j'ai peur. Wow, elle va hyper vite déjà et elle fait basse dégâts. Comparé à celle-là qui faisait 112 et celle-là qui fait 66. Bon, par contre, celle-là elle avait 50 points d'armure. Bon, du coup, là je perds peut-être. En fait, du coup, vu que j'ai un peu plus d'armure, je sais pas si je perds ou pas, mais en tout cas, on s'en fiche un petit peu. Maintenant, donc je vais barrer ce que j'ai fait. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et ça c'est fait aussi. Du coup, maintenant, on va faire. On a plus que deux choses à faire, c'est. Le coffre 3 que je voulais faire et donc la pioche. Voilà.
Ah, la pioche en or, mais on n'est pas. Avouez qu'on est beaucoup plus classe là. De toute façon, à chaque fois, je vais dire ça quand on a une nouvelle armure, mais là, franchement. On peut se regarder, on brille. Oh, trop bien. Alors. Par contre, j'ai l'impression qu'elle me fait un petit peu plus laguer, je sais pas pourquoi. Donc, on va faire le coffre. D'ailleurs, qu'on va le mettre à la place. Ah non, on peut faire la pioche aussi, donc on va la faire. Hop. Et je peux encore faire en fait une barre d'or, il manque juste un petit peu de charbon. Hop, du coup. Et le coffre 3, on va le faire aussi. Il est là. Banquette. Ah, ça fait un canapé, trop bien. Alors, coffre 3. Et donc voilà, je n'ai plus aucun or. J'ai tout utilisé, mais franchement, là, je suis contente de ce que j'en ai fait. Donc, ce coffre 3, je pense que. Je sais pas si je le mets à la place de ça ou à la place des blocs. Les blocs, ils commencent à en avoir beaucoup. Je pense que je vais les mettre à la place des blocs. Et que ça, on va enlever ce qui est vieux. Voilà, par exemple, ça. Voilà, ça on le garde par contre à tout jamais. On va le garder, ça. Hein. Donc, on peut mettre tout dedans. Même ça, parce qu'en fait, maintenant. Mon arme est plus forte. Hop, et on garde ça avec nous parce que du coup on a besoin. Waouh. C'est vraiment super là ce qu'on fait. Du coup, pourquoi? Oui, ça c'était pour le. Pour je sais plus quoi. C'est pour un truc que j'avais pris, mais j'en ai utilisé assez. Hop, ça on peut le jeter parce qu'on s'en fiche. Ah, j'ai oublié de mettre la cape. Ah, cape du champion de fer. Je vais la mettre à la place de quoi parce que c'est tout rempli. La foreuse doit aller bien parce qu'elle extrait la terre. Pour en faire. Enlever. On va mettre ça. Hop. Et on va mettre ensuite ça ici. Et voilà, regardez, j'ai tout bien calculé. Je peux tout barrer maintenant. Hop. Et hop. Ah non, je vais mettre le coffre. Ça va, je l'ai oublié. Du coup, je vais mettre tous les blocs dans mon inventaire. Hop. Oula, ça fait bizarre d'avoir des œufs de Pâques, du coup, maintenant. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de blocs. Hein. Regardez, en fait, ça stocke par 400 les blocs de terre. Et vu que j'en avais eu plein, bah, du coup j'ai encore un stack. Par contre, la hache de bûcheron en fer, enfin, franchement, ça m'intéresse pas de la faire en or. Ce sera un petit peu du gâchis pour moi, je pense. Hop, du coup, on va la mettre à l'endroit. Voilà. Donc, je m'attends pas à un grand coffre, hein, parce que celui-là est. Et à 3 cases de plus que les autres. Donc je pense que celui-là aura 3 cases de plus que lui. Ouais, voilà. Ah non, 4! 4! Yeah! Et pourquoi il y a ça? Il commence à être de plus en plus grand quand même. Donc je suppose que en fait le coffre en titane va avoir tout ça. Parce qu'en plus je crois que le titane c'est la dernière. Je pense, hein, c'est que des théories. Je pense que le titane est le dernier minerai du jeu. Ils vont faire des mises à jour, hein, je pense. Il y aura bientôt une nouvelle mise à jour avec des nouveaux. Ah oui, je vous ai pas parlé, mais il y aura bientôt une mise à jour avec de nouveaux. Peut-être que quand je parle, elle est sortie, sûrement. Mais il y aura de nouvelles mises à jour avec des nouveaux choix de caractère. Enfin, plus de choix pour changer pour son personnage, plus de bouche, de tout ça. Et il y aura de nouveaux biomes aussi, des biomes qui font un petit peu peur. Enfin, peur. Un peu creepy, quoi. Hop, on met tout dedans. Avec des arbres, vous voyez, un peu maison hantée. Je vois tout ça sur leur Twitter. Hop, coffre, tu dégages. Et donc du coup, regardez, on a encore plein de place pour tout ce qu'on peut faire encore. Ah non, mais je suis bête en plus. Parce que ça rajoute 4, ça rajoute pas 3. Là, 1, 2, 3. Ouais, ça rajoute 4. Je suis trop bête. Génial, écoutez, on a hyper bien travaillé aujourd'hui. Enfin, sans vouloir m'inventer, j'ai hyper bien travaillé parce que bon, voilà, c'est un peu moi qui ai tout fait. Hein. Mais c'est quand même cool qu'on ait tout ça. What? Elle est normalement, il y a quoi cette place? Il y a quoi cette place normalement? Je sais plus. Sais plus du tout ce qu'il y a cette place normalement. J'ai peur d'avoir jeté un truc ou d'avoir oublié un truc. Mais non, je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Du coup, on va pouvoir mettre un sort de rage ou de. Et rage, on n'a pas amélioré au fait. C'est vrai, j'y pense, la rage, on pourrait l'améliorer.
Parce qu'on l'oublie un petit peu en fait. Non, même pas. Ok. Bon, du coup, on va mettre rage. Parce que boule de feu, il est bien. Mais pour l'instant, c'est pas trop utile vu qu'on a déjà mis une de givre et foudre. Ok. Ah, mais j'ai peur d'avoir oublié quelque chose là. Bon, c'est pas grave. On verra de toute façon. Du coup, maintenant, on va se diriger vers la nouvelle dimension. La nouvelle dimension qu'on a découvert aujourd'hui. Qu'on n'a pas explorée. Donc, l'épisode sera particulièrement long, je pense. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à explorer finalement dans la forêt du miroir. Mais on va y aller, c'est parti. Ok, on arrive. Ouh. On va pouvoir tester notre armure. Non, mais attendez, là je vais prendre un petit moment pour la miniature parce que ça. C'est vraiment trop beau quoi. Ça va être là, là. Oh, regardez en plus avec le vent et tout. On va un petit peu plus avancer. Hop, parfait, comme ça, c'est très très bien. Hop, voilà, super. Vous avez vu un petit lag parce que j'ai pris le screenshot. Donc, cette dimension a l'air d'être. Bah, si, par contre, il y a un caillou dans le portail. Logique. Donc, c'est bien parce que ici, il y a des diamants. Il y a des minerais de diamants. Bon, j'appellerai ça brut. Et quand je disais tout à l'heure, en fait, dernier minerai de titane, je parlais de minerais qu'on peut utiliser pour faire des armures parce qu'il y a plein d'autres minerais sinon pour tous les sorts, tout ça. Mais pourquoi t'as régénéré, toi? Ah. Oh purée. Toi n'y penses même pas. Ouh. Du coup, je vais casser un petit peu les tonneaux là-bas parce que peut-être que je vais avoir des choses qui vont pouvoir me récupérer un petit peu des durabilités de mes outils. Je sais pas français ce que je dis, mais en fait là, je pense à autre chose. Je pense à ce gros. What? Pourquoi ça avance tout seul? Ok, c'est bon. À ce gros monstre là-bas. Que j'ai envie de vraiment de défoncer, mais bon. On va s'abstenir pour le moment. Ah, bonjour toi. Et pourquoi ça marque 79? Des fois ça marque 143, des fois ça marque 79. Je pense que c'est des coups critiques, mais l'arme fait 166, c'est marqué. Je sais pas. Tant pis, de toute façon. Je sais qu'elle fait beaucoup, pas mal de dégâts. Et en plus, regarde, c'est bien caché. Ils ont essayé de cacher cet endroit, mais non. Ils y sont pas arrivés les cocos. En même temps, c'est parce que les ennemis commencent à être un petit peu plus coriaces, donc j'imagine qu'ils ont de l'armure ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout. On a quelques petits meubles. On a des lits. Est-ce qu'on peut dormir maintenant dans les lits ou pas? Dommage. Là, il y a un tonneau. Ah, c'est un peu la même maison qu'il y avait dans le biome neige. Waouh. Cette fois, elle est un peu moins infestée de monstres. Donc ils donnent, en fait, ils font donne envie de s'y installer dedans. Et j'avoue que ça serait vraiment super bien de s'y installer dedans, mais on a déjà un beau logement ailleurs. Là-bas, il y a un escalier. Ok, bah c'est tout. Donc, du coup, c'est pas un donjon en fait, c'est juste une maison quoi. Ils veulent que j'ai vraiment que j'habite dedans. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait qu'on change d'endroit. J'en avais parlé au dernier épisode, mais enfin, je sais pas. Là, il. Je sais pas. Parce qu'en plus, la dimension est vraiment très belle, hein. Vraiment aucun souci là-dessus. Du coup, c'est pas en fait vraiment un donjon. Du coup, je vais récupérer un petit peu de diamants. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, on se calme tout de suite là. Ouais, du diamant, il y en a là. Bah, c'est normal que ça mine autant. Enfin, parce qu'en fait, c'est des diamants. Enfin, c'est un minerai qui se mine pas vite normalement, mais là, vu qu'on a la pioche en or, ça se mine vite. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai tout de se les faire. En plus, il donne de la poussière des diamants des anges, donc
C'est pas trop mal, quoi. Arrête de me faire bugger, c'était. En fait, j'aimerais bien récupérer le minerai, c'est pour ça que je les tue tous là. Ouais, faut que j'arrête d'ouvrir l'inventaire à chaque fois parce qu'en fait, c'est à côté de la touche pour avancer. Et... Ok, c'est bon, ils sont tous morts. Alors, ça j'en ai pas pris autrefois. J'ai regardé vite fait ce que c'était. C'est des. Magenta, je crois. Magenta. Aussi, peut-être que j'en avais pris en fait. Je sais plus. Là, j'ai récupéré. Il y en a là-bas des minerais de. Du coup, je vais le jeter. On est pas dans Minecraft, excusez-moi. Pardon. Ouh là là. On va devoir passer par des endroits un petit peu dangereux. Ah oui, j'avais les blocs là en fait. C'est pour ça que j'avais peur. Mais en fait, c'était parce que j'avais des blocs. Vous aurez eu un épisode super cool aujourd'hui quand même, hein. Même s'il y aurait eu pas mal d'ellipses. Finalement, peut-être, je sais pas s'il va être très long en fait. Je sais pas du tout. Bon, quand même, ce minerai est assez spécial quand même, hein. Il est en triangle et tout. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais c'est cool, c'est classe. Ah oui, peut-être que vous avez remarqué aussi que mon micro a. Enfin, je veux dire, j'ai un peu baissé la qualité. Je vous l'avais dit ça aussi, mais je pense que je vais la remettre en fait parce que ça baisse trop, je trouve. Donc, je vais la remettre à mon avis. Donc, après, on va rentrer chez moi, on va ranger les affaires, puis on va se laisser. J'ai beaucoup joué aujourd'hui, je pense que je vais faire une pause. Ça va être tout le temps là. J'ai récupéré. Parce que j'ai déjà récupéré les tissus de toile, les saphirs de givre, tout l'or. Donc, ça c'était vraiment très très long. Après, les créer, tout ça. J'ai déjà récupéré aussi du bois, là, de la soie, ça, je l'avais dit. En tout cas, voilà, c'est assez long. C'est vraiment dommage vraiment que les objets se cassent aussi vite. Enfin, vous voyez, que leur durabilité soit si basse. Parce que, là, regardez, j'ai fait quelques coups avec mon épée, elle est déjà un petit peu endommagée, quoi. Ok, on pourra rentrer chez nous. Donc la prochaine fois, sûrement, on explorera, je roule les R, de nouvelles dimensions. Et puis en plus, on s'approche un petit peu encore du boss, finalement. Du dernier boss, en plus du boss final, parce qu'en plus... Ah, regardez, j'avais jamais remarqué, mais en fait, il y a une dimension, en fait, après le boss, là. Caillou qui squatte, bonjour. Il y a une dimension après le boss. Et en plus, si je joue, donc dans pas trop longtemps, dans quelques épisodes, donc on est dans 3 épisodes, on aura exploré à peu près tout ça. 3 épisodes, on aura peut-être fait dans 4 ou 3 épisodes, on aura fait le boss. Si la nouvelle mise à jour n'est toujours pas sortie, en fait, on aura fini le jeu. Enfin, à mon avis, à mon avis, j'ai un peu run les boss après, donc jusqu'à là. Puis on explorera d'autres dimensions, puis il y a des dimensions qui vont sûrement se rajouter. Après, je sais pas comment ils vont faire pour que le portail se crée. Mais on verra ça, on verra ça. Pop, 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 du coup, c'est cool, on peut rentrer chez nous. Au revoir. Voilà. Ouh, on est de retour dans le tuyau spatio-temporel. Ok, on est arrivé. Alors, oula. What? Regardez, du coup, quand je mets en vue première personne, regardez comme l'épée, elle est longue. Hop. Tous les minerais, ça va là-dedans. C'est parti. Toi, tu vas là-dedans. Toi, tu vas là-dedans. Ensuite... Là-dedans, tu vas là-dedans. Tout ça, je les ai déjà fait, déjà créé ça. Je sais que la soie, ça va là. En fait, j'ai remarqué que j'en avais déjà dans mes coffres. J'étais deg après. Bloc d'obsidienne. Ça va là-dedans. Ça va là. Ça. Ça va là. Il y a la fourrure dedans. Oui, il y a la fourrure. Non, il n'y a pas la fourrure. C'est où la fourrure? Est-ce que c'est là par hasard? Non, par contre, là, il y a les roses gelées. Ça se trouve que je suis complètement aveugle, hein. La fourrure.
Non, attendez, on va revérifier. Non, non, elle n'y est pas, donc on va la mettre. Hop, ok, on a encore tout rangé dans notre inventaire, génial. Ça se passe hyper bien. Bon bah écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, qui a été très longue à réaliser pour moi, mais franchement, je suis hyper content des résultats. N'hésitez pas à lâcher un like pour la vidéo, un petit commentaire. Donc comme dit, à répondre à ma question que vous avez posée tout à l'heure, donc à savoir si vous voulez que je déménage dans le château de là-bas. Et puis voilà. Allez, à plus!